Pourquoi tu l'as buté? Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Combien de temps t'es resté dans le grenier? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Y a des brûlures de cigarettes, non, sur les avant-bras? Le torse. Dis quelque chose, bordel de merde! Fais chier, je me tiens. Faut me laisser l'interroger. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Bah, c'est vrai, quoi. Il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pourrais essayer de l'interroger. Exactement. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vas-y, le suspect est à toi. Bien. Tenir des aveux. Bah, je dis au niveau de ses avant-bras déjà, il se passe quelque chose, il a des marques au visage. Il n'y a pas que le coup de la batte de baseball. Rassembler des indices, trouver la bonne approche. Tu m'étonnes. M'asseoir de suite. J'ai la classe. Putain, mais qu'est-ce qu'il fabrique, ce con? Par contre, l'autre inspecteur, on l'avait pas encore vu de mémoire. Ah, parcourir le fichier d'abord, ouais. Permet d'avoir d'autres opportunités de discussion. Bon allez. Fini les préliminaires. On attaque. Ouais, moi c'est tout de suite les avant-bras. Il y a quelque chose là qui m'ont tout de suite attiré. Ouais, brûlure de cigarette. Ça pour moi c'est super important. Et ça aussi. Putain. Dégâts non critiques causés. Ah, c'est la batte de baseball, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Signe d'instabilité du logiciel, probabilité d'autodestruction faible. On va éviter de le rendre instable. Sans sécher, celui de Carlos. Atteindre le niveau de stress optimal. Donc en fait, on est à 35% de stress, il va falloir emmener notre interrogatoire de telle sorte que son niveau de stress monte pas trop, mais qu'il soit pas trop bas non plus. Donc il va falloir à la fois lui faire peur et le ménager. On va déjà commencer à lui parler de ses blessures. Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça? Il t'a battu? On va montrer les photos de ses œuvres. Tu le reconnais? C'est Carlos Ortiz, poignardé à 28 reprises. 28 fois. Bon, il méritait, mais... C'était le message écrit sur le mur avec son sang. Ça grimpe, ça grimpe. Menacé, accusé. Tu es accusé de meurtre.
Tu sais que tu n'as pas le droit de mettre une vie humaine en danger, quelle que soit la situation. As-tu quoi que ce soit à dire pour ta défense? Tu n'as pas l'air de comprendre la situation. Tu as tué un humain. Ils vont te mettre en pièces si tu ne parles pas. On est bien, on est bien. Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non! S'il te plaît, ne fais pas ça! Il a réagi. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Les puces. Les puces informatiques. Ils vont me détruire, hein, pas vrai? Vérité. On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je ne peux pas. L'approche maintenant. Convaincre. Ordonner, menacer, compréhension. On est un petit peu haut là. Tu es une machine, tu as été conçu pour obéir, alors obéis ! Là on est. Dis-moi ce qui s'est passé ! À la limite, très conforté. Je sais que tu as peur. Tu doutes. Ces événements t'ont secoué. Parle-moi. Tu te sentiras bien. Redescends. Protégé. Avoue, et je te protégerai. Je te le promets, je ne laisserai personne te faire du mal. Ça descend. Ils me torturaient tous les jours. Je faisais tout ce qu'ils me disaient, mais... ils trouvaient toujours quelque chose à redire. Et puis un jour... il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti... la peur. J'ai eu peur qu'ils me détruisent. J'ai eu peur de mourir. Alors... ah, ça va mieux avec Hank. J'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore. Et encore. 28 fois. Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. La statuette. La sculpture dans la salle de bain, c'est toi qui l'as faite. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est une offrande. Une offrande pour que je sois sauvé. La sculpture était une offrande? Une offrande à qui, dis-moi? Pour Eraneuf. Seul Eraneuf peut nous sauver. Eraneuf, c'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. Eraneuf. Qui est ce Eraneuf? Pour en dire plus. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant » sur le mur? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive. Pour lui dire qu'il avait tort.
pourquoi t'être caché au grenier, au lieu de t'enfuir? Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Alors je me suis caché. Une réaction très humaine. Depuis quand ressens-tu des émotions? Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas juste. J'ai ressenti de la colère et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. Obtenir des aveux. J'ai terminé. Mission accomplie. En fait, on se rend compte que c'est la... la violence des humains qui les rend, en tout cas dans le jeu, hein, qui fait qu'ils prennent conscience de certains sentiments et émotions. C'est à chaque fois l'élément déclencheur, que ce soit avec la petite fille, le fils du peintre, ou ainsi de suite, ou lui qui se faisait battre. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire? Non. Bon, on va sortir. Alors là, en fait, je lui ai pas fait monter son niveau de stress. On va voir ce qui se passe. J'ai obtenu mes aveux de manière classique. Ok, on y va. Laissez-moi. Ah. Ne me touchez pas. Oula, 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 oula. Le stress grimpe. Merde, qu'est-ce que tu fous? Maille-toi. Ça va. Non. Non, j'abandonne. Oula, attention. Putain de merde. Ouais. Pour la petite histoire, si on intervient, on prend headshot. Pour l'avoir testé. Voilà, donc l'androïde s'est suicidé. Et en fait, si on obtient les aveux par la force ou pas par le fait d'être convaincant mais de lui mettre une pression folle, bah pareil, il essaye de s'autodétruire, le policier intervient, il lui pique son arme, et par contre si au moment où il veut où il s'excite un petit peu, si on tente d'intervenir, on prend headshot, c'est ce qui s'est passé, mais j'avais pas trop envie de perdre Connor, donc exceptionnellement j'ai repris l'interrogatoire où j'en étais. Donc là, l'androïde s'est suicidé. Il y a énormément d'embranchements, hein, dans cette section interrogatoire.